Mesdames, eh Messieurs, bonsoir. À l'émission de Touche à tout ce soir, j'ai le plaisir de recevoir comme première invitée la coordonnatrice euh, du secteur des communications au cégep de Thetford, Mme Édith Jacques. Bonsoir, Edith. Bonsoir. 1969. Exactement. Ça, c'est une année importante. Hein? C'est une année importante, spécialement le 21 mai 1969 pour le cégep de Thetford. C'est la création de notre cégep. Donc, tu es ici pour parler de la fête du. 50 On est, On déjà est en rend... 2019. On est déjà rendu aux 50 ans, effectivement. Ouais. Toi, tu t'en souviens pas, mais moi, je m'en <laughs> souviens que <j> j'étais là. <laughs> déjà comme journaliste. C ça, ça me rajeunit pas. Euh, donc, c'est le 21 mai 1969 que le, le, le collège classique, à l'époque, euh, a été reconnu pour devenir un collège d'enseignement général et professionnel, CEGEP. Exactement, exactement. Euh, deux ans après la création de 12 cégep, les 12 premiers cégep qui est en lien avec le rapport parent, donc qui avait euh, instauré, si on peut dire, les cégep. Mais le cégep à tête est arrivé deux ans plus tard, deux 1969. Ans plus tard. OK. Là, vous voulez souligner ça en grand. Oui. Vous avez deux événements majeurs. Deux événements auxquels on va inviter la population euh, à participer. Notre premier événement a lieu le 1er juin. C'est un samedi, je pense. Un samedi, okay. le samedi, le 1er juin, et c'est une première. Donc, pour la région, pour le cégep, évidemment, euh, ça consiste à, au tour cycliste, le défi, euh, le cyclo-défi Cégep à Campus. Donc, c'est le nom officiel. C'est un tour cycliste, une randonnée cycliste de 96 km, auquel la population... Euh, sont invités, les étudiants, les gens de tous les âges. Euh, C'est une randonnée non chronométrée. Donc, euh, les, il a pas de les, course, les passionnés de sport de vélo peuvent y participer, mais les amateurs également. Parce que je dis 96 km, mais en fait, il y a trois parcours. Donc, euh, les passionnés, les amateurs de vélo n'auront pas peur du 96 km. S'il y en a d'autres qui le sont un petit peu moins, la forme euh, ne tiendra pas pour 96 km. Il y a trois autres parcours de 24 et de... 57 km. Et euh, c'est quoi le... quand on parle du parcours, là on parle d'où on... on arrive où? On part du Cégep de Têtefeuille. Ah, Et on se rend à notre campus qui est situé à Saint-Agapy, dans la région de la Vinière. Ah oui. Parce oui. que le Cégep de Têtefeuille, depuis maintenant, en fait, ça va faire cinq ans. Donc, euh, à de, ben, en fait, de, donc, à l'automne, on va fêter notre cinquième anniversaire. Et l'objectif de la randonnée de vélo dans le cadre de notre cinquantième anniversaire et de notre cinquième anniversaire au campus de l'Obinière, c'était de faire connaître les deux lieux, si on peut dire, et de relier notre Cégep à notre campus, de faire découvrir la région de Tedford aux gens de l'Obinière. Et vice-versa. Que les gens de La Binière, que les gens de Tedford puissent découvrir notre campus et en même temps, évidemment, profiter des superbes paysages que nous offre la, 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 la région des Appalaches et de, et de la région de La Binière. Et quelques côtes. Et quelques côtes. <laughs> mais tout dépend des parcours. Donc, ah, y ouais. des parcours il y a des parcours qui en ont beaucoup moins. Juste si on, on part le deuxième parcours avec euh, à Saint-Jacques-de-Lys, on va d'abord éviter quelques-unes en partant. <rire> <rire> oui, parce que justement, en sortant de Saint-Jacques, même avant d'arriver à Saint-Jacques, il y en a une belle montant, oui. il y en a une autre qui descend, il y en a un autre qui remonte. L'autre bord de saint jacques de il y on a une belle côte. Donc il y a moyen de les éviter, si on peut <laughs> dire ces premières côtes-là. En prenant le deuxième départ qui se fait à partir de saint jacques de Alors, tu me dis que c'est le samedi, le 1er juin. Le samedi, le 1er juin, il y a des heures différentes de parcours. Il y a des heures de départ, pardon, oui. différentes. Euh, la première est vers 9h30 le en matin. vers 9h30, OK. Oui. Donc, Et euh, euh... les gens qui nous écoutent, là, puis qui seraient intéressés, euh, euh, bon, là, d'ici le 1er juin, ils vont se mettre en forme, là, puis pédaler un peu. Oui. Mais... Euh, est-ce qu'on peut s'inscrire Oui, et on... de quelle façon Effectivement, on, on peut déjà s'inscrire et on invite même les gens à le faire. On prend des inscriptions jusqu'au 12 mai. Et si les gens s'inscrivent à l'avance, donc jusqu'au 12 mai, ils vont bénéficier d'un tarif préférentiel, donc 25 pour les étudiants, 50 pour les adultes, et ils vont avoir droit à un gilet, donc il va leur être offert. En échange de leur inscription. Oui, effectivement, en échange de leur inscription tôt. OK. Alors, de quelle façon on s'inscrit, si on peut s'inscrire tout de suite? Oui, exactement. En fait, j'invite les gens à aller sur le site Internet du Cégep de Thetford, donc le www.cegeptetford.ca, barre oblique, 50 ans. Ah. Donc, l'ensemble de la programmation, tous les événements qu'on va parler aujourd'hui et qu'on invite la population à y participer, on va pouvoir retrouver les informations, par exemple, pour l'inscription à notre cyclo-défi. OK. Donc, les gens ont jusqu'au 12 mai jusqu pour s'inscrire? Jusqu'au 12 mai pour la pré -vente. Pour la pré-vente. Pour ouais. la pré-vente. Par la suite, on va prendre des inscriptions jusqu'à, je pense, le 20 mai. Donc, euh, quelques jours... Les gens ne pourront pas s'inscrire le matin même de l'événement. Ah, okay. Parce qu'on veut que ça soit une randonnée sécuritaire. Alors, on va faire des groupes de maximum 12 cyclistes à la fois. Alors, il y a une, une gestion, si on peut dire, de la part de notre équipe. Euh, et on veut prévoir, informer les gens euh, à l'avance. Est-ce que vous espérez un nombre? Là, de dire, hey, si on a moins de temps, on va être déçus? Ou... Je vous dirais qu'on attend une centaine de cyclistes. Une centaine de on cyclistes? Est, euh, il y a 125 cyclistes c'est le maximum de, des gens qu'on va accueillir, 125. Euh, à Tedford, il, il y a notre club de vélo. Donc, euh, on a déjà des gens qu'on ah oui, le hein. sait à l'avance qui vont s'inscrire, qui nous en parlent déjà. <laughs> et c'est la même situation dans la région de Lebinière. Le vélo semble être un, un sport très, très, très intéressant euh, pour la population de l'Obinière. Donc, le, on s'attend à avoir une centaine de personnes. Alors, les gens doivent réserver leur place. Ah, ben oui. Ils hein. doivent s'inscrire tôt. Parce qu'on euh, a des athlètes dans oui. la région là, Effect... de tous les âges. Il y, y a des gars de mon âge là, oui. qui sont partis de la Floride et qui sont venus à Tatford. Exactement. Et a qui a vraiment... font le défi euh, La Voix à chaque année. C'est tellement populaire, ces événements-là. de Thetford, là. Oui, oui. Moi, j'en connais, là. Et Puis vraiment, ce n'est effectivement donc ces athlètes-là vont probablement s'inscrire ah, très tôt. Puis, euh, il va y avoir des athlètes comme ça qui vont encadrer les moins sportifs, les moins habitués, okay. parce qu'on invite vraiment les gens euh, de, à, de tous les niveaux, si on peut dire, à s'inscrire, parce que ça devrait être une très belle journée. Et il va y avoir des, euh, des, des athlètes qui sont habitués de, de faire ce genre de parcours-là, qui vont être avec eux et qui vont les motiver, les encadrer tout au long du parcours. OK. Alors, on répète que c'est le samedi 1er juin. Samedi le 1er juin, on part du cégep de Thetford, on se rend à notre campus de binière qui est situé à saint agapie Puis là, les gens ont le choix entre un 24, 57 ou 96 kilomètres. Exactement. Trois parcours non chronométrés, uniquement pour le plaisir. Et les profits seront remis à la fondation du campus de binière et du cégep de Thetford. Ça, c'est le première, euh, premier événement. Oui, le exactement. Deuxième événement. Le deuxième événement va avoir lieu en septembre. La date n'est pas encore déterminée. On va informer la population dès qu'on va la connaître. Et c'est une fête citoyenne qu'on va organiser au cégep même, au cégep de Têtefeuille. Qu'est-ce euh... que ça veut dire, ouais, fête non, citoyenne? Non, mais je veux dire, oui, j'aurais envie de, 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 de demander, euh, ça peut-tu peut virer en retrouvailles, ça? Ce... Certainement. En fait, la fête citoyenne, l'objectif, c'est de faire un gros parti, c'est de souligner le 50e okay. anniversaire du cégep. Donc, évidemment, la population de la région de Têtefeuille va être invitée. Ça va être une journée familiale. On imagine le beau soleil, on l'a déjà réservé. Euh, il va <laughs> peut-être avoir des jeux gonflables. On va peut-être finir la journée avec un beau feu d'artifice, euh, de la musique, euh, barbecue. C'est une Donc, fête en plein air. Une fête en plein air. Une... Puis vous avez un terrain magnifique. On a en un terrain de sport incroyable. Donc euh, et évidemment, ça va être aussi des retrouvailles, des retrouvailles pour nos anciens étudiants, nos anciens employés. On va pouvoir faire des visites du Cégep. Oui, nos, études, nos anciens vont pouvoir les effectuer, mais également la, la, la population de Thetford. Donc, euh, c'est une belle journée euh, qui, que le CJP organise oui. dans le but de montrer notre évolution. Hein, parce que vous le savez, en 50 ans, nos lieux ont changé. On parlait de notre terrain multisport dernièrement. On n'en avait pas un terrain multisport euh, il y a 20 ans. Donc, on a sûrement... il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vu nos derniers... Euh, l'aménagement, sans on ah, du Cégep oui. en 2019. Donc, l'objectif, on va faire des visites guidées pour euh, montrer à quoi ressemble aujourd'hui le, le Cégep de Thetford en 2019. Moi, mon fils a fait euh, toutes ses études primaires, secondaires et collégiales à Thetford, donc au Cégep. Et euh, il y a deux ans, euh, euh, il a fait une visite du Cégep oui. dans des circonstances particulières. Et... Euh, je, je, je l'accompagnais, moi, puis c'était drôle, ces réflexions. Ah oh, mon Dieu, on n'avait pas ça, nous autres. Là. Alors, des retrouvailles, là, c'est fait pour ça. Hein? Oui, oui. Quand tu parles d'évolution, oui. euh, quelqu'un comme Martin, lui, il était là euh, dans, le, dans la première partie des années 90. Okay. Bien, depuis ce temps-là, le cégep. Euh... Nos équipes sportives, par exemple, dans le temps, on n'avait pas d'équipes sportives comme on a aujourd'hui. On n'avait pas autant d'étudiants internationaux, par exemple. Donc, le cégep a, a énormément changé euh, en, en, pendant ces années-là. Ah, ah oui. Donc, effectivement, alors, en septembre, ça va être un peu l'objectif c'est de montrer à quoi ressemble le cégep aujourd'hui, mais d'inviter la population à venir célébrer avec nous. Si on a étudié au cégep, si on a été employé du cégep, évidemment, on va être les bienvenus. Mais même la population, peut-être, la population nous soutient depuis toutes ces années-là. Euh, oh oui, c'est cé le cégep qui appartient à tout le monde. Le cégep appartient à tout le monde. Donc, on est au cœur de la ville. On est un employeur impo important. Pour les étudiants, on est un lieu d'études très, très intéressant, évidemment. Donc, on invite. Tout le monde à venir célébrer avec nous. Et euh, je ne connais pas encore tous les détails, donc on vous, on vous réserve encore euh, plein de surprises. Mais lorsqu'on va connaître, par exemple, la date de l'événement, on va évidemment la diffuser euh, dans, dans tous les médias, sur les réseaux sociaux et, euh, et sur le site. Sur notre site Internet. donc Alors, on je le répète juste pour, avoir, oui. pour que les gens soient bien au courant www.secheptetford.ca 50 ans. Exactement. Aussi simple que Tout ça. Tu me disais, puis il me reste une minute, là, euh, que vous allez avoir aussi la Société des archives qui, qui euh, fait partie intégrante du Cégep. Du Cégep, là, oui. Qui, euh, à l'automne, va, va faire quelque chose. On a aussi une exposition de photos. Donc, la Société des archives va nous, nous organiser une belle exposition de photos dans le but évidemment de démontrer l'évolution du Cégep. C'est une exposition de photos qui va être présentée dans les lieux publics du Cégep et on va inviter la population en allant à la bibliothèque ou en allant s'entraîner, par exemple, de faire un petit détour et de venir voir ces belles photos-là que la Société des archives va nous avoir trouvées. Alors, une belle exposition de photos qui va être... Donc, c'est à l'automne. C'est à l'automne aussi, exactement. Bien, merci beaucoup, Edith. Merci à vous. J'avais le plaisir de recevoir la coordonnatrice des communications du Cégep de Tatrain Mines, Mme Edith Jacques. Je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité, j'ai le plaisir de recevoir. La présidente des magasins à Sète-Lacouille Limité. Tout le monde connaît ça, Thetford lui-même dans la région. Alors, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Margot lacouille blouin Bonjour. Alors, Sète-Lacouille, <laughs> oui. comme par hasard. Euh, tu es en poste depuis combien d'années euh, au magasin et Ça fait six ans que je travaille au magasin, mais j'ai été nommée présidente, là, ça fait un an. Ça fait un an? Ouais. Euh, Bon, on n'était pas là ni l'un ni l'autre, mais cette année, ça fait 115 ans que le magasin existe. Oui, c'est ça. Ça a été créé, dans le fond, en 1904 par mon ancêtre euh, Aziz Setlakoui, qui était venu ici d'Arménie, dans le fond, euh, qui avait ouvert son commerce à Disraeli à la base. Les gens, des fois, ne savent pas ça, mais le premier oui. magasin, euh, un magasin euh, modeste là, qui était à Disraeli. Euh, par la suite, en 1906, je crois, ils ont déménagé à Tedford Mines pour ouvrir euh, un magasin Setlakoui à Tedford. Et depuis ce temps-là, euh, le magasin Setlakoui est toujours là. Oui, exactement. Et moi, là, quand on a rendu hommage à ton grand-père, oui. euh, j'ai appris la signification du mot Setlakoui. Oui. Le sais-tu, en... toi? Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, moi, oui. je m'en souviens. À la base, le nom, c'était Sarafiane. Euh, oui. C'est ça, exactement. Puis euh, Quand ils sont partis, dans le fond, de l'Arménie, parce qu'il y avait eu un génocide de, euh, en Arménie par euh, la Turquie, dans le fond, euh, ça voulait dire les six frères Setlakoui. Mais il euh, y en a juste un enfant qui s'est emmené au, au Canada qui avait survécu euh, au génocide. Bon, ben, t'es bonne. Je connais cette partie-là, mais peut-être que vous allez m'en apprendre. <rire> <rire> euh, le magasin Set Lacouille est important à Thetford, mais pas juste à Thetford aussi. Euh, J'ai été surpris de t'entendre dire que tu étais à la tête de 11 magasins. Oui, ben les gens ici nous connaissent beaucoup pour le magasin Ted Minds qui est au centre-ville de Tedford de trois étages. On a aussi euh, deux autres, cette Lacouie Mode qui sont à Sainte-Marie d'Israeli où l'on vend de la femme. Euh, mais on a aussi huit boutiques de, de lingerie féminine qui s'appellent Silhouette Lingerie. Donc euh, notre chiffre d'affaires est vraiment euh, séparé en deux bannières Silhouette et cette Lacouie. Puis nous on gère tout ça là, à partir de Ted Minds ici. Le siège social euh, est encore à Tedford. Donc onze magasins au total. Puis combien d'employés? C'est euh, un total de 175 employés euh, qui travaillent pour nous euh, présentement. Ça, là, quand on dit 160, c'est 175 réguliers? Là. Euh, on a des temps partiels. a ah, des on... temps partiel. Ouais, ça, Oui, c'est ça. Ça l'inclut tout, mais euh, on a à peu près euh, entre 5 à 10 personnes dans, dans nos boutiques silhouettes qui travaillent euh, dans chaque boutique. Puis sinon, après ça, on a des gens à l'administration, on a des gens à la réception de marchandises ici. Donc, peut-être Mine seulement, c'est à peu près so 75 personnes qui travaillent ici. Ah, le, la, la majorité est ici. Oui, là. parce qu'on gère tout à partir d'ici les opérations que l'administration, le shipping, euh, tout ça, ça c'est à partir de tête feuille que ça se passe. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver et Je te demanderai <laughs> pas ton âge, mais je sais que tu es plus jeune que moi. <laughs> mais qu'est-ce que ça fait de se retrouver euh, à la tête d'une un, entreprise aussi importante Bien, c'est quand même. Euh, Je suis choyée, premièrement. C'est sûr que ça a été fait un petit peu plus tôt, probablement, que prévu. Euh, malheureusement, on avait euh, un président qui est décédé du cancer là, il y a trois ans. Euh, donc, c'est sûr que c'est arrivé peut-être un peu plus rapidement que, que le cours normal euh, des choses euh, habituellement. Mais euh, je suis prête à ça. Je pense que ça fait longtemps que je me prépare pour ça. Puis il ne faut pas aussi oublier que c'est une entreprise familiale. Moi, j'ai encore beaucoup de membres de ma famille qui travaillent dans l'entreprise. Donc, je ne suis pas seule à la tête de l'entreprise. On est un, euh, plusieurs personnes qui prennent les décisions ensemble. Je suis très bien épaulée. On a des, des employés aussi qui travaillent pour nous depuis. Plus longtemps que moi <laughs> depuis mon année de naissance. Donc oui. euh, eux aussi sont là pour euh, continuer à nous guider là-dedans. Donc euh, c'est quand même une pression, mais euh, très bien entouré. Donc euh, pour moi, ça se fait assez naturellement. Oui, tu as ouais. la chance d'avoir ton grand-père Raymond oui. qui est encore euh, alerte pour son âge. 90 ans. Oui, oui mais <laughs> il est encore alerte là. Euh, oh, tout et, là. <laughs> euh, moi, je peux te dire ouais. que quand tu es arrivé il y a six ans, il était tellement content de dire qu'il y avait la cinquième génération qui était dans le magasin. Oui, je pense qu'il ah, était qu Il était tellement était fier. fier de mmh. ça. Là. Puis aujourd'hui, de te voir à la présidence, il ne doit pas être choqué de ça. Non, je pense qu'il est content <laughs> aussi. C'est la première fois qu'il nomme une femme aussi à la tête de leur entreprise. Je pense que pour des gens d'une autre génération aussi, c'est quand même un, un pas vers l'avenir, dans le fond, d'avoir pu faire ça. Puis, euh, je pense qu'il est quand même content. Il ne le dit pas, nous, personnellement, mais il le dit aux autres ça, Tu peux, mais... tu peux, tu peux te fier sur moi, je oui. le sais, il l'a dit. Mais il je a pense qu'en soi, d'avoir cinq générations dans une entreprise, que ce soit la nôtre ou n'importe ah, quelle autre, c'est un exploit. un exploit ça? en ah, soi. Oui, oui. Oui. On est chanceux, vraiment. Mais toi, tu te retrouves là, à la tête d'une entreprise, encore, j'insiste, tu sais, quand tu dis 11 magasins, 175 employés. Euh, quelle sorte de, de background que tu avais pour ça? Tu n'es pas arrivé, là tu n'as pas poussé un, un champignon comme ça, puis ils disent on te nomme présidente. Non, je pense pas. Je pense que j'avais les qualifications. Mais dans le fond, moi, j'ai fait un bac en administration des affaires avec un profil en marketing. Ah bon, administration des affaires, Alors, ouais. ça aide. Hein? Donc, oui, ouais, j'ai étudié là-dedans. Euh, après mes études, dans le fond, moi, je suis partie travailler pour euh, BRP à Valcourt. Donc, euh, on s'occupait de la, du marketing pour la marque Sidou. Donc, moi, ah je lui ai oui. fait ça pendant deux ans. Puis ensuite, c'est moi qui a vraiment approché la famille pour euh, m'en revenir ici puis euh, reprendre l'entreprise familiale. Ça m'a toujours intéressée. Moi, ma mère, euh, elle travaille dans l'entreprise depuis que je suis toute jeune. C'est ce qu'elle a fait toute sa vie. Donc, moi, j'ai toujours écouté ses, ses, ses conversations téléphoniques. Je savais exactement ce qui se passait dans le magasin. Ça m'a toujours intéressé Donc, c'était comme naturel pour moi de vouloir reprendre un peu le flambeau puis perpétuer, dans le fond, la tradition familiale, en fait. Ouais. Puis, tu as eu cinq ans pour te familiariser encore davantage, ouais. là, les mains dans la pâte, là. Oui, exact. Bien, quand je suis arrivée, dans le fond, j'ai vraiment comme refait toute l'image de marque de la compagnie, des deux bannières au complet. Euh, fait que j'ai vraiment travaillé beaucoup au niveau du marketing euh, par rapport à les rénovations de magasins. On a rénové quasiment toutes nos silhouettes lingerie qui sont dans les centres d'achat. Euh, on, on a rénové Sainte-Marie-de-Beauce aussi qui était, qui était due pour des rénovations. Euh, on a vraiment comme un peu retravaillé l'image de marque. Puis ensuite, dans les deux dernières années aussi, j'ai amorcé le virage numérique euh, tout ce qui est euh, vente en ligne avec nos boutiques Silhouette Lingerie. Donc, on vend maintenant en ligne avec euh, toutes les envois qui sont à partir de Thetford Minds Donc, on a gardé ça quand même au siège social à Thetford. Ça, c'est quand même un, un gros pas vers la bonne direction pour euh, rester en affaires euh, au niveau du commerce en ce moment. Euh, le détail, c'est ce qui est important. Donc, dans les deux prochaines années aussi, on va commencer à travailler pour faire euh, cette mode peut-être en ligne. C'est euh, notre objectif. Oui. Ouais. Et, et ici, au magasin Thetford, là, euh, en tout cas, il me semble qu'il y a eu des améliorations dans certains secteurs. Je ne me trompe pas. Hein? En tout cas, dans celui des hommes, s'est fait. Oui, il il ses hein? oui ben, dans le fond, dans les, deux, les trois dernières années, on a fait aussi des rénovations à la façade du magasin qui a été revampé, l'extérieur aussi en arrière qui a été revampé. Là, on a refait récemment cette année, dans le fond, la, la section des hommes qui a été complètement changée. On a une nouvelle section aussi qui est plus pour les jeunes hommes qui est un petit peu un manque là, dans notre magasin. Donc, on va travailler là aussi à rénover le magasin à l'intérieur euh, un petit peu à chaque année, dans le fond, pour le remettre au goût du jour. Là, je vais te poser une question piège. Oui. <laughs> le fameux système à aspiration... Là, Allez-vous le garder? C'est sûr qu'on va le garder. C'est un peu ce qui fait notre <laughs> renommée, dans le fond. On est dans les seuls commerçants quasiment en Amérique du Nord qui ont encore ce système-là. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est qu'on envoie, dans le fond, tous les, les paiements des gens par un tube, un tuyau qui est comme un aspirateur, qui va jusqu'à l'administration en haut. Puis nous, ce qui est, ce qui est merveilleux, c'est qu'au lieu d'avoir 25 caisses à, à gérer à la fin de la journée, c'est qu'on en a une seule. On a une seule personne qui touche à l'argent pendant la journée. Donc, il y a moins de risques d'erreur. Puis c'est plus rapide aussi pour nous au début et à la fin de chaque journée. Donc, c'est un système merveilleux qui n'existe plus, mais qu'on espère qu'il ne brisera pas. <laughs> hey, mais je peux te dire, là, Margot, que ça fascine le monde. Ouais. Moi, j'ai de la parenté. J'ai une nièce, elle vient acheter chez Seth Lacoué. C'est une fille de Sherbrooke. Ouais. Tu es native de Sherbrooke? Oui, ouais. Moi aussi. Alors, on se comprend de Sherbrooke. Quoi, là. <laughs> Ma nièce, elle vient à Tetford acheter son linge. Puis là, là, elle parle de ça à ses amis à Sherbrooke, puis vous devriez voir, quand on paye, puis ça part, puis là, là elle est ah, toute fascinée déjà. par ça. <laughs> C'est impressionnant. Puis on a des enfants aussi, surtout quand ils viennent, on leur envoie ah. un petit bonbon, puis ils ah, bon? sont, ouais, sont <laughs> vraiment contents de ça. Donc. C'est un peu un attrait dans le fond. Oui, oui, Notre bâtisse a été faite dans les années 50. Donc, on est une bâtisse patrimoniale au centre-ville aussi, avec l'architecture qui est quand même assez spéciale, qui... qui témoigne des années 50. On a tout le magasin qui est en terrazzo, qui... on ne voit plus ça maintenant, à part dans les, les vieilles écoles ou ces choses-là. Donc, euh... Et le système de tuyaux qui est encore là, le système <laughs> de tubes, euh, qui, fait... qui fait un peu notre renommée. Oui, ah, ça, ça, ça donne ouais. un cachet, un charme ouais. euh, <laughs> euh, au magasin. là Et puis, vous avez aussi, euh... bon, pas au rez de mais. Au premier étage, là, la, la nouvelle boutique euh, que je pourrais appeler là, euh, pour euh, la, la cuisine, tout oui. ça. Là. Elle est très populaire, cette boutique-là aussi. Oui, de, hein? de plus en plus. Dans le fond, euh, je pense que les gens apprécient parce qu'on a une sorte de marchandise qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs dans la région. Donc, tout ce qui est pour la cuisine, la décoration, oui, la maison, oui. la literie, euh, les produits Ricardo qui, en ce moment, sont très populaires. Euh, ça, ça, ça fonctionne très bien dans le coin de Noël aussi là, pour, euh, pour les, a, les achats de, de Et cadeaux. Et comme par hasard, il y a toujours quelqu'un qui fait, euh, qui, qui emballe les cadeaux à côté. Euh... Bien, à Noël, on est chanceux. Ça fait des années qu'on a le Cercle des fermières qui vient oui, nous aider à oui. emballer nos cadeaux. Euh, pendant tout le mois de décembre, donc euh, en espérant que ça puisse continuer encore euh, plusieurs années. Est-ce qu'il y a des projets de modernisation euh, à petit si, ou à, à grand déploiement à un moment donné? Parce que là, à Thetford, on sait que le département des hommes a été, disons, revampé. Ouais. Est-ce que... Mais pour le magasin en général, là, où vous y allez doucement, par étape? On y va étape par étape, dans le fond, pour ce qui pour... est des rénovations. C'est sûr qu'on va faire un rayon à, à la fois pour pas non plus trop euh, changer, euh, chambouler dans le fond le magasin complet. Euh, sinon, dans les autres projets qu'on a, c'est plus par rapport à la chaîne Silhouette Lingerie qu'on va vouloir euh, augmenter notre nombre de boutiques dans les années à venir. Donc, on est temps pour parler là, pour ouvrir une nouvelle boutique euh, cette année ou euh, l'année prochaine, dépendamment d'où est-ce qu'on qu va pouvoir s'installer. Euh, sinon, c'est vraiment euh, le numérique qu'on veut aller, euh, qu'on veut débloquer et être capable de vendre justement, oui, à nos, à nos clients qui nous connaissent en ce moment, mais aussi à l'extérieur, puis que les gens puissent magasiner en ligne avant de venir faire leurs achats euh, à l'intérieur du magasin pour vraiment offrir les deux options. Donc, c'est vers là qu'on s'en va pour, euh, pour commencer. Puis, je pense qu'une fois que cette base-là va être solide, ensuite, on pourra peut-être parler d'expansion. Euh... OK. Mais quand on parle des, des boutiques Silhouette, oui. euh, tu m'as dit qu'il y en avait huit. Oui. On euh... en a dans nos sept lacouilles aussi. fait que c'est comme si on en avait 11 au total. Donc, okay. on vend de la lingerie dans 11 boutiques là, à travers le Québec. Oui. Et euh, tu me disais qu'ils sont particulièrement situés dans l'est du Québec oui, c'est ça. On a nos boutiques de Sainte-Marie, d'Israëlie, euh, euh, Tedford, où est-ce qu'on vend de la lingerie. Mais on a aussi euh, quatre boutiques euh, dans la ville de Québec. Euh, on en a une à Sherbrooke, Victoriaville, Saint-Georges-de-Beauce et une à Chicoutimi. Donc, on se situe plus vers l'est du Québec. On n'en a pas dans, dans la région de Montréal. Ah, bon, bon, bon. Puis, notre, euh, notre vision d'expansion reste aussi dans ces secteurs-là pour rester un peu proche de, nos, euh, de où est-ce que nous, on est, notre siège social, puis nos superviseurs. Donc, pour que ça soit plus facile de, de gérer, dans le fond, euh, à petite échelle. Autrement dit, tu travailles euh, avec prudence et non oui. pas devenir la grenouille qui explose. Non, puis je pense que c'est ce qui fait qu'on est encore en affaires après 115 ans. Je pense que c'est un peu un trait de caractère des, des entreprises familiales en général, c'est qu'on est prudent. On, on fait ça pour les générations futures, notre, notre génération, nous, pour continuer à avoir des carrières. Donc, on ne fait pas ça pour avoir des, des profits à court terme, mais plutôt pour rester en affaires, perdurer à long terme. Donc, on est assez prudent dans nos investissements habituellement. Puis, c'est sûr que moi, je pense que je continue cette lignée-là. On fait des changements, on fait des investissements. On fait des, des modernisations, mais en restant quand même, je pense, les deux pieds sur terre, puis en, en voulant que ça continue, puis euh, que ça perdure une, une sixième génération euh, éventuellement. Ben je te le souhaite. Hein? Merci. Alors, mm -hmm. je te recevais. Je recevais la présidente des magasins Asset, Asset La Couille Limité, oui, qui fête cette année ses 115 ans. Et bien sûr que la présidente actuelle a beaucoup moins que 115 <laughs> ans. Moi, j'approche. <laughs> Alors, félicitations, Margot. Merci beaucoup. Et à vous, chers amis, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.